Voilà, ça va, c'est là. Donc, ça c'est. ATP. Donc, ça va? Donc, vous êtes responsable de l'église? Oui, je suis responsable de l'église. Et quel est votre nom? Comment? Vous pouvez me dire encore votre nom? Ah, bon, Yad Saint-Michel. Mm-hmm. Le frère Michel, Yad Saint-Michel. Mm-hmm. Ah. Okay. Et en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, nous parlons vraiment de soutien de pasteur. Mm-hmm. Votre pasteur, comment vous le soutenez? Bon, c'est. Seulement par la dîme et les offrandes. Mmh. Voilà, par les offrandes. Et la dîme, les offrandes, ça arrive vraiment. Bon, il faut dire que ici, tout le monde se débrouille en bourse. Hein. Mmh. Donc, il y a quelques instituteurs qui sont avec nous. Mmh. Mais il faut dire que ce n'est pas aussi consistant que ça. Hein. Okay. Oui, okay. Ce n'est pas consistant que ça. Ok. Bon, est-ce qu'elle peut goûter ton antique? Il n'y a pas de problème. Je vais donner un peu de musique. Mmh. Ah. Ça bien fait. En tout cas, ils font bien l'appliquer. Pour ceux qui viennent apprécier, en tout cas. Dans le temps, là, il y avait une femme qui venait chercher pour aller à l'aéroport. Ah, c'est moi, je vais arriver, on va. Ah, je vais voir la maison. Ok. Oh, madame. J'attends de ramasser. Ouais. Non, pas, je pouvais faire combien comme ça? Ah, ça dépend de la commande. Je peux faire jusqu'à 10. Ben là, c'est la machine qui fait. Oui. Qui presse. Oui. Oui. Non, c'est terrasse, on ne peut pas demain. Allez voir. Que c'est pas ça. C'est la vente dernière. Elle va à l'école? Oui, oui. Elle fait quelle classe? Elle est en classe de 3 à 4 heures. Ah, that's good. Mm-hmm. Les derniers font la 5e. Mm-hmm. Donc, maman, c'est ce que vous faites aussi pour la soutenir à l'école? Oui, oui. Donc, vous faites ATK pour envoyer les enfants à l'école? ATK pour envoyer les enfants à l'école. Après les études, bon, après la classe de 3e,
j'étais tombée gravement malade, donc ce qui a empêché mes études. Donc, il y a eu mon premier garçon en 83. Celui-là, il a 27 ans maintenant. Après, le second, lui, il est au lycée professionnel déjà. Puis il y a le troisième garçon. C'est la seule fille parmi les garçons. Okay. J'ai 4 garçons, une fille. Merci. Okay. Merci. Vous n'avez pas pu continuer les études, les enfants vont vous en haut. En tout cas, c'est la tête. Ça, c'est ça. Au début, le deuxième, en tout cas, il est très bien. Il a passé le concours de mathématiques parce qu'il a eu 19,50 à maths. Donc, il a passé, vraiment, il a passé un concours, le concours de l'école professionnelle déjà de Jacques. Donc, il est en train. D'accord. Qu'est-ce que vous faites aussi pour soutenir votre propre famille? Bon, je vais au champ. Bon, comme moi, c'est maintenant que la famille m'a donné une parcelle. Donc, je suis en train de tenter de faire du palmier. Du palmier. Sinon, bon, je me débrouille et puis je fais un peu d'activité dans le village, quoi. C'est tout. Okay. Quelquefois, je fais du charbon et tout ça. Oui. D'accord. Quand j'étais venu, j'avais un domaine de l'élevage. Je faisais la volaille. Bah, après, ça a chuté. Donc, j'étais obligé de rester au village pour me débrouiller. Okay.